Bonjour, chers abonnés du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors, une appellation, déjà, ça m'a interloqué. Montravel, c'est ça? Oui, Montravel, on est dans le Bergeracois. Effectivement, ce n'est pas une appellation courante qu'on voit souvent. Et c'est pourtant une très, très belle appellation. Donc, sud-ouest. On est dans le sud-ouest, mais quand même un encépagement Merlot qui nous rapproche quand même de Saint-Émilion, de Pomerol, etc. On n'est pas très loin de Bordeaux. Parfait. Château Les Berneries, 2009. Voilà. Mais donc, par contre, je tiens bien sur la dénomination sud-ouest Montravel dans le Bergeracois. D'accord. Bouteille lourde. Au Ritz, vous saviez, mettiez des petites gouttes à côté là ou hein? C'est juste pour moi? Non, mais je ne mets des gouttes que quand il y a des nappes. Ah, très bien. Bon, à l'œil. Donc, un vin, bon, évidemment, on est sur des vins intenses de couleur, concentrés, brillants. On a évidemment sur un 2009 un début d'évolution. Ouais. C'est un vin qui a quand même 6 ans maintenant. Donc, effectivement, il y a une jolie couleur qui arrive pratiquement à son apogée. Enfin, qui arrive dans quelques mois, arrivera dans son apogée. D'accord. Au nez. On est sur un style assez fin. D'abord, le côté juteux, fruité, charnu du Merlot. Mmh. Avec un élevage sous bois qui donne ce côté un peu fumé, toasté, un côté tabac. Oui, ça c'est... Belle trame également d'épices. Voilà, on a un vin qui est déjà presque chocolaté, donc un vin qui a déjà une belle complexité aromatique. Question très bête, mais tabac, chocolat, ça c'est dû à quoi? Ben, c'est le passage en fût qui donne, d'accord, ce côté un peu toasté, le début d'évolution qui fait fondre un petit peu tous ces arômes, etc. Et donc on commence à avoir une douzaine, 12, 14, 15 arômes, donc on peut parler de complexité. C'est pas qu'on écrase nos cigarettes dedans? Non, ni cigarettes, ni carré de chocolat dans la cuve. Très bien, c'est naturel, on va dire. En bouche. Voilà, moi j'adore ça. C'est rond, c'est velouté, c'est subtil, c'est ça. Ça remplit bien le palais. Il y a à la fois le côté fruité, rond, fondu, mais également le côté caractère, avec le côté un peu poivré, les tanins très fins, soyeux, qui tiennent bien l'ensemble. On a un vin vraiment complet et complexe. C'est complexe, j'allais dire ça. Aussi. Très joli vin, mais moi j'adore ce genre d'appellation. On a des vins qui ont du caractère et qui n'ont rien à envier aux cousins proches de Bordeaux. Hein. Ça, caractère, je vous suis tout à fait là. C'est quelque chose qui est un peu surprenant, mais finalement qui est fondu, enfin, soyeux, je crois que vous avez employé le terme, mais je trouve que ça va. Parce que souvent, on pense, quand on pense Bergerac et Zinfandel, à des vins un petit peu avec une trame un petit peu végétale, etc. Mais non, c'est fondu, c'est soyeux. Dégustation à l'aveugle, si je te parle de Pomerol, on n'est pas loin, quoi. Et du coup, ça, on l'accorde avec quoi comme viande rouge, rôtie. Alors là, on va peut-être aller sur des viandes un petit peu rôties, cette fois-ci, avec un jus, donc un filet de bœuf en croûte, carré d'agneau. Le magret de canard, bon arrêtons parce qu'après arrêtez si faim. Vous voulez, parce que je commence à saliver. On a toujours faim et puis bon, allez, quelques lamelles de truffe, on y va carrément. Comme et à la maison. Tout quoi. Ce qui est un petit peu saladaise, la cuisine à la graisse d'oie ou à la graisse de canard, absolument magnifique. Alors évidemment, cassoulet, cuisine du sud-ouest, confit. Parfait, juste avant l'été, non, parfait pour le régime maillot de bain. Tout à fait, si vous voulez acheter un nouveau maillot de bain un peu plus large, effectivement, vous pouvez y aller. Être à l'aise pour les vacances. Voilà. En tout cas, non, c'est très très bon. Et du coup, c'est 2009. On y est, ça y est. Voilà, d'ailleurs la couleur le disait, on n'est pas loin de l'apogée, donc c'est un vin qui commence à se boire et qui est parfait aujourd'hui, qui a encore quand même un potentiel pour vieillir 4-5 ans sans aucun souci. Parfait, en tout cas c'est très très bon. Magnifique Montravel, magnifique. Ouais, c'est très très bon, merci. Maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit, à vous de déguster. Et merci Jean-Michel pour cette belle trouvaille. Bonne dégustation et bonne découverte. À très bientôt, au revoir. Au revoir.